c'est Dark Moon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien spéciale vu qu'on continuera pas Dawnguard hein, avec Brandt et j'ai changé de compagnon, voilà elle est là, c'est la vampire. Donc je vais vous montrer juste comment avoir tous les katanas, il y en a trois. Hein. Donc le premier katana c'est Mort Dragon et je vais vous le dire, il y a aussi les épées des lames pour ceux qui n'avaient pas vu mais juste à côté. Donc vous allez dans la carte et alors carte du monde et donc si vous avez fini l'aventure principale ou que vous êtes arrivé vers le temple d'Arbre Ciel, c'est la quête principale, donc continuez là où, normalement ça devrait vous rappeler quelque chose, c'est là où il y a une fresque comme ça. Donc une fois que vous êtes là, voilà, une fois que vous êtes là il y aura, vous passez là et Mort Dragon est là. Je sais pas pourquoi mais c'est du vol. Oups. Bon. Et donc oui, bah si ça vous fait plaisir, prendre une épée ou deux. Comme ça. Donc voilà. Après il y a bien sûr bouclier des lames. Toutes les conneries lames. Donc, on va se retrouver. Donc voilà, ça c'est le premier sabre, hein, je vais vous montrer quand même. Objet. Arme. Hop. Elle est où? Elle est là, Mort Dragon. Donc c'est une arme à une main. Très belle, hein, en plus avec le mode que j'ai mis. Regardez les effets des enchantements, c'est très beau. Et donc voilà. Donc c'est la première épée. On va faire les trois donc. À plus tard. Ellipse. Voilà, donc là. Voilà, nous sommes devant la grotte du bouffé. Donc c'est là qu'on va trouver le deuxième katana. Donc il y en a trois. Et il y a aussi le 4, on va dire, katana des lames. Donc, voilà, elle est belle, elle est jolie, merde, pardon. Alors, vous arrivez dans la grotte, comme ça, hop, on passe. Oh, un rabbit! Il est où? Là-bas, rabbit. Tiens. Je prends cher. Il est où, rabbit? Bon, bah, c'est pas grave. Tiens! Croc! Voilà, donc, je m'étais... un petit peu. Ah c'est... oh, elle a invoqué un ours. Mais c'est mignon tout cela. Rabbit. Non, viens là. Viens là. Où je l'ai eu? Wow. Tout le monde, c'est Dark Moon et on se retrouve pour le deuxième katana. Voilà, on se retrouve pour le deuxième katana. Je vais sauvegarder tout de suite d'ailleurs devant Brandt. Donc il y a un lapin normalement si je me souviens bien. Ouais bon, on s'en fout, on tue tous les ours, donc tuer déjà les ours, hein, c'est une bonne chose de fait. Tiens, fais dodo, t'auras peut-être du lolo. Oh rabbit. Ah j'ai compris. Elle parce que elle arrive en fait à invoquer. Donc vous prenez ce chemin. Hop. Passez par là, par là, par là. Alors, on continue. Des loups, donc je. Voilà, hop, prends ça dans tes dents. Et il y a ça aussi. Tiens, putain, la violence.
Oh, il est mignon. Voilà, donc on continue. Et donc voilà, vous trouverez des petits mobs comme ça. C'est pas bien méchant. Normalement, un nounours. Voilà. Tiens, toi. même si c'est la nana qui t'a invoqué. Donc, maintenant là-bas. Vous voyez, c'est pas bien difficile, hein. Je pense que vous y arriverez. Hein. C'est pas... Après, un loup. Merde. Viens. Putain. Touche pas à mon Brand. Merde, le chien m'attaque. Bon, écoutez, on va tuer le chien. Et en fait, je chargerai la partie. On va continuer la vidéo. Voilà, ça vous apprendra, elle a dit. Donc le chien est mort ce soir. Vous inquiétez pas, vous l'aurez. Donc là, il y a des potions. Et normalement, ici, il y a la cimentière. Donc, skin de l'épée des lames. Donc, lire notre... Alors, à qui trouvera ce mot? Moi, Sius Bollard, dernier des lames, avoir survécu à l'attaque des temples d'Amandier. J'ai trouvé refuge ici, dans cet ancien sanctuaire. Les Talmors sont venus me chercher, mais ils ne profondent pas cet endroit. Je vais leur rencontre pour faire face à la mort avec honneur. Si vous en êtes indigne, prenez mon épée et faites de même. Voilà, donc vous trouverez l'épée, vous prendrez l'épée. Il y a même des nounours encore, c'est mignon. Je sais pas où on est, mais c'est très joli. Tiens, on va tuer ça. Et on se retrouve tout de suite pour la troisième katana. Hein, quatrième, on va dire. Alors, il y a aussi un coffre. Attends, on va l'explorer. Hache de brasier. Une nouvelle arme. Une arme... C'est un mode. Ouais, bref. C'est une arme... Si vous la trouvez, c'est bien. C'est unique. C'est une arme unique. Allez. A tout à l'heure pour la seconde partie. Et petite... je vais préciser un petit peu où se trouve cet endroit. Donc le comment ça s'appelle? La grotte du Bouffi. Voilà. Alors, merde. C'est ici. Donc normalement c'est Abyss. Enfin c'est vers un gros lac. Hein, mais... Non. Voilà. Donc... Woodland Sanctuary, ça doit être un mode. Donc voilà, c'est par là. C'est celui-là. Donc, on va se retrouver pour la prochaine épée. Donc j'ai appris en fait que les arbres qui nous attaquaient, donc ça, les tziganes, et ben ça, quand un animal de compagnie, et ben ça lui jette un sort et puis il se rebelle. Allez, à tout à l'heure pour la troisième épée. Voilà, donc. On se retrouve pour la troisième épée et la dernière. Elle est à demain, je crois. Donc, on est à Blancherive. Place du marché, vous avez la jument paroisée. Donc là, chargement. Allez, voilà. C'était assez long. Et il faut demander, je crois, à elle. Voilà. Et donc, vous lui demandez ce qu'elle a comme taf. Donc voilà, normalement ça vous déclenche ça. Et je crois que c'est pour sauver le fils du Jarl. Ou un truc comme ça. Enfin, si ça vous met pas une quête en rapport avec le fils du Jarl, je crois, ça marche pas. Enfin, faut recommencer. Enfin, je vais m'exprimer autrement. Vous faites cette quête, vous revenez voir si elle a du boulot. Et au bout d'un moment, bah, elle viendra vous dire, vous aurez le katana. Rassurez-vous. Alors. Ça c'est là. Donc ça c'est quoi? Donc ça oui, je ferai le parchemin des anciens plus tard. Ah, ça. Alors on va aller faire la quête. Je crois c'est tuer le chef des Morandis. C'est celui-là. C'est celui-ci. Donc c'est là. On va se déplacer. Donc
je vais faire les quêtes et puis je vous dis quand c'est la bonne quête. Allez, à tout à l'heure. Re tout le monde, voilà, c'est la quête, renseignez-vous au sujet d'un des enfants étranges du Jarl. Donc, voilà. Touchez votre prime auprès de ce qui brille. Oui, donc j'ai dû faire la quête qu'il m'avait dit, hein. Brille. Tranquille, je te rappelle que tu bosses, hein. Putain, c'est nana, alors. Et donc, bah voilà, c'est la quête que je vous disais, donc moi, j'en ai pas fait tant que ça. On va aller, déjà, récupérer là-bas, je sais pas trop ce qu'il y a. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. D'ailleurs, l'intro que j'ai, je voulais vous parler de mon intro. Donc ça met Dark Moon, ça met mon lien YouTube, ça met Dark Moon. Donc ça, non, je vais changer l'intro, je vais mettre le vrai lien, mais déjà ça met un moment, et puis on n'a pas encore fait ça, donc c'est en préparatif, et c'est bientôt. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt. Donc voilà, petite je poursuis pas mon... Dis-toi. Donne-moi mon fric. Ouais, merci, t'es gentil. Or, 100. Vas-y, c'est pas un peu de l'arnaque quand même? Tiens. Voilà. Alors, on va mettre à jour. Ta gueule. Maintenant, on va regarder la quête qu'il faut qu'on fasse. Renseignez-vous, étrange enfant, voilà. Pas les bleus. Pas les bleus. Ah bah oui, parce qu'il est là-bas. Oui, parce que j'ai chassé le Jarl, maintenant c'est un nouveau Jarl. C'est toute une histoire. Et après, je vous montrerai ma planque. Donc c'est un mode, hein, c'est une maison modée. Allez, c'est long. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Oui. Je vais avoir Borderland. Ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être cool. D'ailleurs, je vais vous faire une espèce de présentation un petit peu de Borderland. Une petite découverte. Je vais surtout chercher les Easter Eggs et les petites quêtes secondaires. Je ferai pas la quête principale. Ça, on la fera tous ensemble. Salut Roger. Oh, oui, donc j'ai vraiment la mission qu'elle m'avait donnée avant, c'était pas dur, hein. C'était tuer le chef des bandits. Il y avait le bandit et les deux autres. Donc je suis arrivé en mode ninja, je leur ai roulé sur la gueule. Ils m'ont même pas vu, ils ont même pas vu la mort venir. Bon, tiens, allez. Le mec, tout à l'heure en ordre, ouais, ouais. GPS. Non, tu me connais pas. Encore? Ah oui, c'est vrai, carrément tout au fond, le mec. Et lui était Jarl. Thank you.
voilà, faut trouver le fils. Merde, mon portable. C'est pas grave. Et j'ai fait tomber mon portable. Mais bon, il a une coque, ça va. Pour ceux que j'ai acheté d'ailleurs. C'est pour le balancer. Je vais ramasser ça vite fait. Pendant le chargement. Putain, ça va être long, hein, je pense. Ça va être assez long comme vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui. J'avais oublié. Petite porte murmurante. C'est bien ça, oui, c'est ça. Alors. Hop. Et faudra être. Attends, quelque chose me dit que je vais faire vraiment plein d'aller-retour. Allez, je n'ai pas que ça à faire. L'upload c'est long, les amis. L'upload c'est très long. J'ai déjà peur de l'upload. Ouais, donc ça va pas durer très très longtemps comme catch, je pense. J'aurais pu carrément vous couper, vous dire voilà, on fait ça et puis ratterrir devant l'épée, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'aime bien. Ton père, je lui pisse dessus. Oh, c'est un porc mort. Ouais. Ben, c'est un mot à trois lettres, je pense que lol, hein, voilà déjà. La dame qui murmure. Ouais, bon bah voilà, on s'en branle de son père maintenant. C'est bien là, oui c'est là. Casse-toi. Il est où le chien? Il est là. Casse-toi. Ok, d'accord. Tu peux jouer à ça. On va jouer à ça. Viens là. Arrête. Non, tu arrêtes. Bon. Mais putain, mais bien. Voilà, purée. Putain, je déteste ça. Bien des draps. L'enfant est plein d'entrain, mais il manque d'organisation. Le garçon est doué pour découvrir les secrets. Ouais. Mais les enfants ne sont pas assez corruptibles pour une entreprise de cette ampleur. Ok, c'est... la quête n'est pas finie, merde. Je vous pardonne de ne pas connaître mon nom. Tu m'as l'air d'être une salope de Dédra. Je suis Méphala, la dame des murmures. J'influence les relations.
Non, c'est pas tout à l'heure. Ok, c'est fini. Voilà, j'espère que c'est fini. Une bâtarde. C'est vous. Ah putain, mais casse-toi. Je vais te violer, mais ça va être violent. Voilà, maintenant je suis baisé. Voilà. Ok, donc, Farangard, t'es où, connard? Farangyols. Donc, on peut parler à ce que... Moi, je vais pas me faire chier. T'as pas une clé? Gueule. Je veux la clé. Donne-moi la clé, sac à merde. Ouh, ellipse. Je vais chercher cette putain de clé, je reviens. Ok. Ouais. Donc j'ai trouvé en fait, je vais aider ceux qui trouvent pas comment on fait pour lui piquer sa clé. On va déjà sauvegarder. Et on fait comme ça. Ninja. Voilà. Donc, j'ai cette putain de clé. Allez, oh, des fruits. Enfin, des carottes. C'est pas des fruits, c'est des légumes. Mange 5 fruits et légumes par jour. Même le pot. Je mange le bol. Et voilà. Donc, ça s'appelle l'âme d'ébonite. C'est un artefact d'Edra. Donc avertissement contre les bonites. Méfiez-vous de cette arme, les... Voilà, on s'en fout, hein, vous lirez si vous voulez. Hein. Moi, c'est pas mon job. Donc c'est... Moi, les livres. Merde. Voilà. Pour les chiens. Donc, ma foi, elle m'a l'air belle. Hein. Excellent travail. Voilà, donc, elle est gentille. Alors, ça, je vais traduire un peu ce qu'ils disent parce que... J'espère que vous êtes assez perspicace pour voir que l'épée ne correspond pas à la description de la lame d'ébonite que vous connaissez. Voilà trop longtemps qu'elle est laissée en dehors des alliances et des trahisons. Je vais aller chez moi. Pour retrouver sa gloire passée, elle doit d'abord s'abreuver du sang de la fourbe. Donc ça veut dire que ceux qui t'ont fait confiance, qui t'ont confié une quête et que vous l'avez réussi, vous le tuez et ça donne de la puissance à l'épée, c'est totalement cheaté et dégueulasse. Mais voilà, c'est comme ça que ça se fait. Elle est très belle. Votre monde. Ta gueule de mensonges. Je m'en fous. Penchant pervers. Penchant pervers. Est une adorable sensu qui se repaît de la et en nous.
salope en fait. Oh, nounours, nounours. C'est frère des ours en fait, c'est mon frère. Allez. Oh. Donc là je suis dans un, c'est un mode hein, cette maison c'est un mode. Dragonfall Manor, donc c'est le manoir du Dragonborn. Allez. Oh, les passages entre les portes. Cherchez ceux qui vous sont les plus proches. Le dernier soubresaut de leur petit cœur accompagnera ma lame dans le champ de votre grandeur. Oh, ça c'est gentil. Donc c'est une épée à deux mains. Murmurante terminé. Donc, on va la mettre. Casse-toi le chien. Ici. Elle est où? Elle est là. J'ai cru que je l'avais perdu, j'ai un peu flippé. Merde. Mais. Laisse tomber, elle veut pas passer, elle est trop grosse. On va la mettre. Ok d'accord, ça marche pas, ça va pas l'air de marcher. Pourquoi mon arme bug? Bon, bref. Allez où l'autre? Ça là, Sermentière. Vous voyez, c'est à peu près le même skin. Le Sermentière tape plus fort. Sermentière est mieux. Moi c'est la même chose, c'est les mêmes épées, bon ça, le skin est un petit peu la même chose quand même, mais je vais vous faire visiter mon manoir. Parce que oui c'est un manoir, hein, fuck la police. Chlou, gratuité. Chlou, c'est beau. Hein. Bon, on va arrêter de faire le coup. C'est beau hein. Il y en a quand on est fric. Hein. Bord de ciel, je veux pas bord de ciel. Oh, il y a un lutte. Casse-toi. Ouh, je sens que je vais faire un génocide. La chambre est très belle. Et normalement, il y a une note. Bon, je l'ai enlevé la note, mais bon. Donc là, il y a le coffre. Y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment très bien fait. J'ai trouvé ça super bien, cette petite maison. Certains diront mais c'est n'importe quoi, c'est complètement cheaté, ça sert à rien de faire une partie où le manoir dispose de trop de ressources. Ok, mais voilà, donc je vais arrêter là, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Mais j'ai envie de poser cette putain d'arme. Voilà, donc elle est totalement cheatée hein. Je veux poser l'arme. Ok, donc on va la poser par terre, on va vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Très joli. Donc. À la prochaine. C'était Darkmoon.